Bonjour, chers amis. Je salue le divin qui est en vous. Que les bénédictions macrocosmiques vous accompagnent toujours. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'exorcisme de personnalité. Comment exorciser sa personnalité? Et pour ce faire, j'ai cherché deux plantes que je vais vous présenter. Ces plantes vous serviront à pouvoir faire l'exorcisme de personnalité. Et normalement, le spirituel doit le faire une fois par mois afin de pouvoir mettre le compteur de son esprit à zéro et pouvoir évacuer les influences néfastes qui empêchent le spirituel de continuer son œuvre qui est de sauver les âmes, de sauver des gens. Aujourd'hui, je vous parle encore depuis la grotte d'extase des Makeuru. Cette grotte est une grotte qui sert à tous les Makeuru de pouvoir se retirer de la société et de méditer en profondeur et de retrouver le chemin intérieur. Parce que le chemin intérieur permet de réussir d'une façon certaine. Alors, exorcisme de personnalité. Pourquoi exorciser sa personnalité? Exorciser sa personnalité parce que, vous voyez, avant de manger, nous lavons les mains. Et à certains moments de la journée, nous lavons aussi le corps. Par exemple, pour retourner au service, nous devrions laver le corps pour se sentir mieux et d'aller au service. Quand on revient du service et que on n'a pas lavé le corps, vous allez voir que arrivé au service, on est stressé. On ne se sent pas bien. On sent que quelque chose ne va pas. Vous voyez? Même certaines personnes sensibles, quand elles retournent à la maison prendre un bain, elles se sentent mieux. Donc, c'est pour vous dire que l'esprit humain, l'esprit à travers lequel tout est possible, qu'on peut réaliser tout, cet esprit a besoin de la pureté pure à l'état pur. Cette pureté n'est possible que quand vous exorcisez votre personnalité une fois par mois avec ces deux plantes. Ça, c'est la plante qu'on appelle en cabillé Wuré. C'est les feuilles Wuré. Vous saluez la plante, vous communiquez avec elle et vous coupez les feuilles. Et moi, je l'appelle la chêne africaine. Vous savez qu'en Europe, il y a des plantes qu'on appelle chêne. C'est un grand arbre comme ça. Celui-ci, lui, selon la constitution morpho-psychologique et la forme spirituelle, moi je l'appelle la chêne africaine. Chêne. C'est un arbre qui a autour de lui beaucoup de vibrations, très spirituelles. Donc vous saluez la plante et puis vous l'accueillez. Okay. Celle-ci, c'est une plante, c'est sa saison ça. Elle produit des fruits jaunes et c'est sucré, on peut manger. À l'intérieur du fruit, il y a des graines dures. Donc j'ignore le nom scientifique. Mais c'est dans ma langue que je connais cette plante-là. Dans ma langue, elle s'appelle Kusunyon. Donc le nom scientifique, je ne connais pas. Donc c'est les deux plantes qu'il faut associer. Pardon. C'est les deux plantes qu'il faut associer et d'en faire un rituel d'exorcisme. Vous allez vous retirer dans un endroit calme. Parce que tout le monde ne peut pas trouver une grotte, surtout ceux qui sont en pleine ville. Vous vous retirez dans une chambre insonorisée, calme. Et tuer ces deux plantes pour faire l'exorcisme. Et avant de faire l'exorcisme, il faut utiliser des bougies jaunes. Comme vous le voyez, c'est deux bougies jaunes collées. Et donc ça fait deux flammes. Deux flammes qui sont en train de brûler. Donc, comme je le disais, l'exorcisme de l'esprit est capital pour votre évolution et harmonie spirituelle. Parce que quand vous serrez la main à quelqu'un, quand vous saluez quelqu'un, quand vous communiquez avec quelqu'un, je parle même de la communication verbale, par téléphone aussi, quand vous saluez quelqu'un, quand vous allez dans les funérailles, quand vous visitez une famille, bref, quand vous vaquez à vos occupations, normalement, à la fin du mois, il faut utiliser
ces plantes-là très puissantes pour en faire un bain d'exorcisme. Pour cela, vous devriez d'abord travailler sur la plante. Quand vous les réunissez, vous allez les mélanger les deux comme ça. Vous les tenez dans vos deux mains. Vous fermez les yeux. Vous allez faire cette inspiration profonde. Et vous allez sentir l'univers autour de vous. Vous sentez à quel point toute chose est vivante en vous et autour de vous. Là, vous commencez à faire une méditation qui aligne automatiquement le corps sanctum, que vous appelez le corps physique, l'esprit et l'âme. Mais dans les pyramides, dans la grande pyramide de Gizeh, nous appelons le corps physique, le sanctum, l'esprit, le corps krishi, l'âme, le corps amoura, et le corps éthérique, le corps Gizeh. C'est les quatre corps-là qu'un Africain, avec la peau noire, qui est la condensation de la mélanine, le pouvoir que l'Occident a peur. Vous devriez aligner ces quatre corps selon les quatre phases lunaires, les quatre saisons, les quatre vérités, les quatre principes. Et donc, vous déclenchez une méditation qui harmonise ces quatre corps-là. Et cette méditation est liée à votre école des mystères. Pardon. Cette méditation est liée à votre école des mystères, à votre enseignement, à votre religion. Sachez que cette méditation, elle doit être très profonde et rendre la vibration des plantes jusqu'à dans votre aura. Vous allez faire comme ceci. Exorcisa musti, omnis imende spiritus, omnis satanica potestas, omnis incuritio infernalis adversari, omnis legio, omnis congregatio et secta diabolica, in nomine et virtute domini Jesu Christi, eradicare et effugare a Dei Ecclesia, ab animabus ad imaginem Deo conditis ac pretioso Divini Agni, Redemptis, non ultra audeas. Ergo, drago, maledicte et omnis legio diabolica, adiuramus te, perdeum vivum, perdeum sanctum, perdeum quiusic, dilexit mundum et filium unigenitum, daret, Amon Ra est toujours avec moi. Benedicte Domine, Lucum Istum, ut sit in eo, Sancta, Sanctitas, Castitas, Mansuetudo, Virtus, Victoria, Sanctimonia, Humilitas, Bonitas, Plenitudo, Legis, Obedientia, Patri, Filio, et Spiritu Sancto, Exaudi, Me Domine, Sancte, Pater, Omnipotens, Aeterne, Deus, et Mitere, Digneris, Sanctum, Archangelum, Tuum. Michael, cui me custodiat, protegat, foveat, visitit, cui me habitantem in hoc habitaculo, per sanctissimum et ineffabile, nomen Tuum. Tetragrammaton, Yahweh, cui vivis et regnas in aeternum. Amen. Voilà. J'ai commencé par exorciser la plante et moi-même. Après, j'ai béni la plante et moi-même et les lieux. Tout a été fait en latin. Parce que vous savez que le latin a une connotation qui vibre et qui atteint facilement le plan invisible et qui dérange les esprits.
Le latin est un langage originel qui dérange les esprits. Que l'esprit soit positif ou négatif, dès que vous commencez, vous devenez vous-même. C'est ce que nous appelons la pureté pure à l'état pur. Après maintenant, je me concentre sur la plante et en dehors de l'exorcisme de ma personnalité, je dois parler de mon karma qui doit diminuer, me laisser avancer facilement. Alors je crois que vous, les initiés, les makeurus, les chercheurs, les scientifiques, vous devriez travailler sur votre karma pour libérer les blocages et être encore plus créatif. Et surtout, nous, les Africains, les chercheurs africains, nous avons besoin d'innover. Donc, travaillons sur l'esprit en travaillant d'abord pour diminuer le karma et harmoniser la balance de l'équilibre. Donc, je me concentre et je fais un vœu d'exorcisme de mon karma également. Amon-Ra est toujours avec moi. Donc cette plante sera pilée, le tout sera pilé et je mets dans un seau d'eau. Et aujourd'hui, cette nuit, avant de me coucher maintenant, je fais ce bain en répétant la prière que j'ai faite quand j'ai fermé les yeux. D'ici là, portez-vous bien. Que les bénédictions macrocosmiques vous accompagnent toujours.